Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver, de vous emmener tout droit vers la deuxième étape de Coupe du Monde au Canada, dans le froid et avec une carabine sur le dos pour la suite de notre aventure dans le monde du biathlon. Et oui, hier, on a fait un super résultat pour le début. Première étape en Allemagne à Ruppolding, médaille d'argent. Quatrième place, deux erreurs au niveau de la poursuite, c'est dommage, ça nous a coûté une autre médaille, une médaille de bronze. Mais sur le classement, pour l'instant, on est à 14 points de Sieverbaggen, 10 points de Labasto, Hartwig est à 30 points derrière et 74 points derrière. Nous avons Emilien Claude, 200 points pris sur la première étape. Est-ce qu'on peut faire aussi bien? Ça va très vite dans un sens comme dans l'autre. C'est parti du côté de Canmore avec le sprint. Ensuite, si on se qualifie parmi les 21 premiers, il y aura la poursuite et il y aura dans tous les cas une Mastart. Demain, on sera à domicile à Annecy pour l'individuel sprint poursuite. J'ai extrêmement hâte aussi. Nous allons donc du côté de Canmore et c'est parti bien sûr toujours avec Gisèle que vous pouvez aider en mettant un petit pouce bleu. Voilà, ça fait toujours plaisir. Merci à vous et merci aussi à ceux qui s'abonnent jour après jour, qui découvrent la chaîne et cette magnifique aventure du biathlon. Canmore, nous voilà. Moins 11, moins 15 avec de la neige. Ça va pas être simple. On va partir dans les premiers pour essayer d'être au plus près de la bonne température. Moins 11, moins 15 avec de la neige. Moins 11, moins 15 avec de la neige, ça sera pas des fasteurs. Moins 11, moins 15, ça peut être des Hamilton à Team 2. Moins 11, moins 15, ça peut être... ça peut être des Mastus Norger 1. Est-ce que ça... Moins 11, ouais, moins 11, moins 15. Oui, si c'est moins 15, c'est pas mal ça, les nucléaires. Et les Rosengale, moins 11, moins 15, c'est pas ouf. Hein. Ah ouais, c'est pas évident à sélectionner des skis là aujourd'hui. Alors là, moins 11, moins 15, on serait bien puisqu'on aurait 2,5% pour sûr. Est-ce que j'assure avec ça? Non, on prend les risques. Hein. On est là pour prendre des risques. Hein. Moins 11, moins 15, là, on est pas mal. Ouais, on y va avec ça. On y va avec ça. Let's go. L'étape, et on est pas mal avec 4%. J'espère que ça va pas bouger. Que ça va pas... attention. Aïe, 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 on est reparti à 2%, même pas 1%. Aïe, 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 ça va pas être bon, mais c'est pas grave. Ok, on est bien à l'étape. C'est parti! Du côté de Canmore au canard droit, 3 tours, 2 phases de tir, donc 10 cibles et ne pas se tromper aujourd'hui. Canmore, on y va quasiment jamais, je ne connais pas la piste et on va voir ce que ça va donner. C'est parti avec un 2% à peu près de bonus. Ok, Canmore, nous voilà. Allez, on va prendre cette petite descente. On va pas très vite, hein, on va pas très vite ici, il faut absolument rester sur... Les... Ouais, il faut... Ouais, non, en fait, il faut surtout pas se mettre en touchousse, là. Hein. Allez, on y va. Et là, voilà, il y a la première descente. On est à 1/10 de Quentin Fillon-Maillé. Ça veut dire qu'on est plutôt bien sur les skis. Ça y est, je reconnais la piste. Oui, il y a les deux petites montées. Ok, il y a ce plat qui nous fait très mal. Ouais, ce plat qui vient nous faire extrêmement mal au niveau... Ouais, aïe, 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 aïe. Ouais, c'est là où on perd le plus de temps, hein, souvent, maintenant, vu qu'on n'est pas très rapide. Et on va... Non ! On a 1/10 d'avance ! Mais attention, le bonus est en train de mourir. On n'a plus qu'1%. Et on va arriver sur le pas de tir. Alors, faut que je fasse gaffe qu'on soit pas à trop de BPM. On est à 190. Non, ça va aller logiquement. On va pouvoir redescendre ici tranquillement. Hop là, on y est. Et on arrive sur le pas de tir. On est arrivé à Bâle. C'est parti, Canmore, nous voilà. Allez, pas d'erreur, c'est l'objectif. Et pour l'instant, on est arrivé avec 2 secondes 4 d'avance. Incroyable. Incroyable. Allez, on y va, on s'applique. Pas d'erreur, c'est loin, il neige, ça va bouger. Ah oui! Pas d'erreur. Et on y va. Let's go. Voilà qui bon. Ça, c'est parfait, hein. Pour l'instant, on est intraitable. On est intraitable et on y va. On envoie très très fort. Et on va sortir avec combien? Avec 3 secondes 2 d'avance sur Horn et Porchnif. Quentin Fillon-Maillé a fait une erreur. Ah bah ça, ça ne pardonnera pas. Et on y va. Attention, hein, Quentin Fillon-Maillé qui ne fera pas d'erreur. Claude qui ne fait pas d'erreur. On le voit tout en haut. Samuelson, Strolia. On va avoir un œil forcément avisé sur Hartweg. On va avoir un œil aussi sur. Hop, là, du coup, on va pas se mettre en descente. On va continuer à y aller comme ça. Hop là. Voilà, voilà, hop. Voilà, vraiment, je me mets pas en situation de touchous ici. Hein. On y va plutôt en mode on pousse, on continue à pousser. Samuelson, 2 erreurs. La grille, pas d'erreur. Latsuki. Oh là là, ça va vite pour lui. Ça va très très vite. Heureusement, on le bloque un peu. Heureusement, on le bloque un peu et on est déjà à mi-parcours. Et Latsuki, donc pas d'erreur. Aïe, 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 aïe
Au niveau des Biélorusses, c'est toujours fort. Kuhn et Bakken. Sivert Bakken arrive sur le pas de tir. Hop, 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 hop. Monsieur Bakken, un leader de la Coupe du Monde. Allez, 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 allez. Oh là là, je suis vraiment tout chousse, hein. Limite, c'est tout droit. Et Bakken qui ne fera pas d'erreur. Bakken qui ne fera pas d'erreur. Ouais, c'est... De toute façon, est-ce que compter sur une erreur de Bakken, c'est vraiment le bon truc. 4 secondes 8 d'avance sur Horn. Quentin Fillon Maille avait fait une erreur. Et Claude, Emilien Claude qui vient de faire un sans faute. Ouais, ça continue à être très solide. Et on arrive sur notre pas de tir. Le tir debout, s'appliquer. Prendre le temps, ne pas faire d'erreur, c'est l'objectif. On a envoyé, j'ai hésité à envoyer sur la dernière, mais je me suis retenu. Je me suis dit, ouais, je peux envoyer un temps de fou, mais au lieu d'envoyer un temps de fou, pourquoi simplement pas assurer et aller peut-être chercher une nouvelle médaille aujourd'hui, parce qu'on a 7 secondes 8 d'avance sur Quentin Fillon-Maillet. Hop, 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 et le bonus, le fartage est en train de revenir. J'ai l'impression que cette saison va être exceptionnelle. Oh oui, j'ai l'impression qu'on y est, qu'on va être bien. Allez, on va utiliser un petit peu de sprint ici, parce que oui... C'est le moment. Allez, 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 hop. À 31 km/h, 32 km/h, on continue à pousser. Allez, allez, allez. Allez, allez. Varabey qui a fait une erreur. Varabey qui a fait une erreur. C'est pas là qui en a fait une. Chen qui en a fait une. La grid qui en a fait deux. Oh là 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 là, les Norvégiens, qu'est-ce qui se passe au niveau des Norvégiens, je sais pas. Pour Sylvain et Ladzouki qui va reprendre. Ouais, mais bon, nous on veut Anton Smolski. Hein. C'est Smolski qu'on veut comme Biélorusse voir. Et Andersen qui va se retrouver sur le pas de tir. Bakken aussi. Bakken aussi sur le pas de tir. Allez, on a combien? 7 secondes 4 d'avance, c'est nickel. Allez, 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 allez. Hop, on y va, on y va. Hop. Ah, je suis à balle, hein. On peut pas faire mieux. Et Bakken qui a fait une erreur. Bakken qui a fait une erreur. Et on va arriver au bout. Allez, 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 allez. Là, on y va, on y va, on y va, on y va. Faut sprinter. Ah, j'aurais peut-être plus sprinter. On verra pour la poursuite, on saura. Mais oui, 7 secondes d'avance sur Horn. Et on va broadcast. On va broadcast. Elle est passée où, la souris? Je sais pas où est passée la souris, là. Elle est là-haut. Elle est là-haut, c'est parti. Et avec zéro erreur, on a fait un très bon temps. Fabien Claude termine loin. Quentin Fillon-Maillet, Christensen. Donc, on a vu une erreur. On a vu une erreur de Bakken. On a vu une erreur de Bakken. Donc probablement il va terminer 5ème, 6ème. Peut-être, non, 5ème, 3ème, hein. Il a fait une erreur quand Quentin Fillon-Maillet. Bakken est à 1/10ème derrière nous en faisant une erreur. Emilien Claude n'a pas fait d'erreur, mais pour le moment il est 3ème. Simon Destieu est là. Et pour l'instant on a la médaille d'or. Pour l'instant on a la médaille d'or. La Basto, la Basto qui a 2 secondes 1 sans faire d'erreur. Oh là 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 là. Attention, Samuelsson qui est loin. On attend bien sûr le Suisse. Là, il y a Stalder qui est arrivé. Mais où est son compatriote? Où est son compatriote? Eh bien, Bakken, attention, Claude. Andersen a terminé 4ème. Hartweg nous passe devant 6 secondes 3 en ne faisant pas d'erreur. Il va partir avec un gros matelas d'avance, Hartweg, lors de la poursuite. Bakken donc sera juste derrière nous, tout comme Elimien, Claude, Andersen, Labasto. Smolski 7ème. Smolski 7ème, on va prendre 75 points. Est-ce qu'on serait pas leader? Est-ce qu'on ne serait pas leader de la Coupe du Monde après cette étape? Je pense que oui. C'est possible, à la dernière arrivée du biathlète, on serait peut-être leader de Coupe du Monde. On va peut-être être leader de Coupe du Monde. Oh que oui. Oh que oui. Oh que oui. Oh que oui. Un point d'avance devant Bakken. 15 points d'avance devant Niklas Hartweg. 25 points devant Mikita Labasto. Et 100 points d'avance. Alors peut-être, alors peut-être. Et une nouvelle médaille, mais toujours pas de médaille d'or. Toujours pas de médaille d'or, hein, mais la régularité pour le moment qui paye. C'est sûr qu'une première place, c'est 95 points. C'est énorme. En fait, c'est énorme. Hein, quand on regarde, regarde en poursuite, 4, tu marques quand même 15 points de plus. Hein. Ça fait la différence. Moins 11, moins 15 avec de la neige chez la poursuite. C'est donc 5 tours. C'est donc 5 tours. Moins 11, moins 15, bah, c'est les mêmes conditions. Hein. C'est les mêmes conditions. Moins 11, moins 15, là on est pas mal. On va prendre les Hamilton à Team 2. On n'aura pas un gros pourcentage, mais on aura un bon pourcentage sûr. Allez, 5 tours, 4 phases de tir. On s'était raté hier, on a terminé 4ème. Mais c'est vrai qu'on espère et on aspire à mieux. Et nous voilà avec le maillot jaune de leader
de la Coupe du Monde. Et c'est parti, nous voilà à la poursuite de Nicolas Hartweg et à côté bien sûr de Bakken, mais c'est très serré, hein. Vous voyez, le pack est très serré. Derrière nous, on pourrait terminer très loin aujourd'hui si on n'est pas bon en termes, tout simplement en termes de ski. Alors, est-ce qu'ils vont se poser là? Ils se posent là, ici? Tu vois, ça va plus vite de rester au final sur les skis, hein. Ouais, ça va plus vite de rester sur les skis. Alors, il y a 5 tours, hein, il faut... Ouais, ça va plus vite de rester comme ça. On est bon sur les skis du côté du Canada parce qu'en fait, il gère mal. Et bien sûr qu'on va jouer des coudes. Bien sûr qu'on joue des coudes. Alors, il y a 5 tours. Il faut être vigilant. Ça va se jouer sur la longueur. Moins 14, on est bien en termes de boost. Allez, on va prendre ici et on va accélérer. Voilà, dans la montée, on va commencer à remonter les pulsations. C'est pas une piste très compliquée, hein. C'est une piste compliquée dans le sens où on peut se rater au niveau du tir. Allez, on est à parfaite égalité avec Bakken. Et pour l'instant, Nicolas Hartweg est bien devant nous. Et on va se présenter sur le premier pas de tir. Loin derrière Hartweg, on le sait, hein. Hartweg, c'est vraiment le fin tireur. Il a quasiment aucun défaut au niveau du tir. Est-ce qu'il va rater une cible aujourd'hui? Ça me paraît compliqué. On ne fera pas d'erreur, tout comme Monsieur Bakken ne fera pas d'erreur, tout comme Claude Labasto ne fera pas d'erreur. Smolski va en commettre une, Andersen en fera une, Jacqueline n'en a pas fait. On repart en troisième position, solidement, j'ai envie de dire, dans cette troisième position. Il fait moins 16 degrés. Aïe, dommage, on aurait dû prendre le risque d'aller loin sur le... Ah, on aurait dû prendre le risque d'aller loin et de tenter vraiment le grid un petit peu au niveau des skis. Mais bon, 2% c'est déjà bien. Et il y a cette montée, hein, qui nous fait mal à chaque fois. C'est la plus difficile des montées. Faut pas trop se cramer ici. Voilà, on va remonter là. On va remonter ici au niveau du ski. Voilà, hop, on reprend. Allez, hop là. Et la belle descente ici. 7 secondes 2. Et Labasto est derrière nous. Combien d'avance? On a, allez, 4 secondes 2 d'avance sur Mikita Labasto. C'est très bien pour le moment. On va lancer un poilasse. On est bien. Pour le moment, on n'a pas trop cramé. On est bien au niveau endurance. On pourrait venir peut-être un petit peu pousser un petit peu plus, on va dire. Mais bon, 7 secondes 8. Après, c'est dur. Hein. Hartweg derrière nous. Et voilà, ouais, Labasto qui nous a récupéré 5 dixièmes quand même dans ce passage-là. On a un petit peu moins de bonus et on a la grande descente. Allez, on y va. Deuxième pas de tir. Et aujourd'hui, pour l'instant, on est bien au niveau du shoot. On est bien au niveau du ski. Et on se bat avec Hartweg Bakken, hein. C'est ce qu'on avait envie depuis le début de saison et j'en suis très heureux d'être là. Hartweg au pas de tir, sur le tir couché, il est parti et il fait une erreur. Et nous on n'en fait pas, donc on va récupérer quelques secondes importantes. Mais Bakken tire beaucoup plus vite que nous. Labasto ne fera pas d'erreur. Emilien Claude ne fera pas d'erreur. Jacqueline en a fait une. Dalleux n'en fait pas. Smolski par contre est en perdition. Andersen n'en fera pas. On est pas mal. Et maintenant, ils sont devant nous les deux. Ils sont devant nous. Barken, Hartweg. Et regardez, on a pas un petit peu d'avance sur Mikita. Pas énorme, mais bon, c'est un petit peu. Allez, on y va. On se met un peu de rythme. Ouais, on essaye. Hein, j'essaye de forcer un petit peu. On est sur le troisième tour. Je vois qu'on est plutôt bien. Il faut continuer. 2 secondes 9 de retard. C'est dommage que le boost n'aille pas. 2 secondes 9 et ouais, derrière à 5 secondes, on a Mikita Labasto. Et on est donc au troisième tour. Seulement, hein, j'ai envie de dire, on est à la mi-course. Pour l'instant, on est bien. Il va falloir encore se tromper. Voilà, devant, hein, il va falloir se tromper si on veut espérer passer devant. De toute façon, ce ne sera pas la régulière sur les skis. Hein. On a bien compris que ça, sur les skis, on ne les bougera pas alors qu'il fait moins 17 degrés. Et que Mikita Labasto est toujours à chaque fois de retour sur ce plat là. Il arrive à bien remonter. Allez, on va se positionner. Le troisième pas de tir de la journée. Et c'est, j'ai l'impression, Bakken qui est devant Hartweg maintenant.
Bakken a repris. Voilà, Bakken Hartwig. Ouais, c'est chaud. Et ça va être le tir debout. Ça va être le tir debout. Allez. On commet pas d'erreur. Mais Bakken et Hartwig non plus. La baston, pas d'erreur. Et Emilien Claude, pas d'erreur non plus. Regarde-moi ça, derrière, ça ne bouge pas. Il y a Dalleux qui va faire 3 erreurs. C'est terrible pour Dalleux qui peut dire au revoir, à mon avis, à quelque chose de beau pour cette fin de course. Il va rester un passage au tir. Il va rester un passage au tir. On a 3 secondes 9 d'avance sur la baston. C'est chaud. C'est chaud, ça revient fort. Ça revient fort. C'est pas là qui s'est trompé. Et on essaie de pousser. Hein. Pour l'instant, les deux devant. Mais ils sont intombables. Hein. C'est dingue. Ah ouais, c'est quand même fou. Hein. C'est quand même fou de les voir à ce niveau-là. Ouais, ils sont sublimes. Ils sont sublimes. Allez, on a essayé de se reprendre un peu. 6 secondes 5. 6 secondes 5 de retard. Et on a maintenant 4 secondes à peine d'avance sur la Basto. Aïe, 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 aïe. Il vient nous chasser. Hein. Il vient nous chasser. On va commencer à pousser fort. On est dans l'avant-dernier tour. On a commencé à accélérer sur... on n'a pas le boost, hein. Ça c'est vraiment dommage de ne pas avoir le boost au niveau du ski. Allez, 7 secondes 3. C'est horrible. 7 secondes 3, on n'a plus que 2 secondes 7 d'avance. Hop, 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 hop. Et on va arriver ici, la descente. On les voit devant. On les voit devant. Enfin, j'utilise un peu le sprint. On a vu que le sprint, au final, on l'avait pas assez cramé lors de justement la première épreuve. Et on y est. On y est, à part 2 erreurs devant, on ne pourra pas les rattraper. Mais ce qu'il faut, c'est pas se tromper pour peu que la baston ne nous rattrape pas. Et qu'on garde cette troisième place, c'est une nouvelle médaille. Hartwig, Bakken, pas d'erreur. Bakken, Hartwig, pas d'erreur. Ils feront un blanchiment parfait, les deux. Et nous aussi, on a pris notre temps. Et la Basto qui va pas commettre d'erreur. La Basto qui ne commettra pas d'erreur, c'est dur. Ça veut dire que ça va se jouer sur les skis. Ça veut dire que ça va se jouer sur les skis pour la troisième place. Et on a 10 secondes 4 de retard. Et la Basto, il est à 2 secondes 2. La Basto est à 2 secondes 2. Hop, 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 hop. Allez, faut maintenant utiliser le sprint. De toute façon, là, il faut y aller. Si on l'utilise pas maintenant, on l'utilisera jamais. Allez, 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 allez. Et la Basto, juste derrière, heureusement, récupère un petit peu de boost. Aïe, 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 que c'est dur. Oh, que c'est dur. Oh, que c'est dur. Oh, la Basto, on sent le souffle. On sent le souffle, on a fait un sans faute. Tu peux pas faire plus, hein. Voilà, on peut pas. À un moment donné, on peut pas faire plus, hein. Là, et attention, il est à maintenant... hop, 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 il est à 1 seconde 9, la Basto. Pop, hop, 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 hop. Ah, il va nous bouffer. Il va nous bouffer. Ouais, ça va se jouer sur la dernière ligne droite. Après, on a le finisher. On a le finisher aussi. Aïe, 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 aïe. La Basto. S'occuper de notre course. S'occuper de notre course. S'occuper de notre course. Il est à 1 seconde 4 derrière. Oh là 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 là. Oh là là. 1 seconde 4 derrière. Il est juste là. Il est juste là. Il est en train de revenir. Il a peut-être le second souffle, la Basto. Il est juste derrière. La descente. Et on y va. Allez, 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 le finisher qui fait la diff. Le finisher qui fera la différence. Et on va aller chercher une médaille de bronze aujourd'hui, bien sûr. Bien sûr qu'on va la chercher. À nous les 60 points. À nous les 60 points devant Mikita Labasto. Bon, et devant Bakken Hartwig. Non, mais devant, on n'a pas perdu trop de temps sur le ski. Hein. 4 secondes 9 en shooting time. 3 secondes 7. 6 secondes 6. 6 secondes 9. 7 secondes 5 et 7 secondes 5. Tu sais qu'au final, on perd en shooting time, on perd quand même 3 secondes 7. Hein. Mais bon, même avec 3 secondes 7, on n'est pas là. Hein. Même avec 3 secondes 7, on n'est pas là. Hein. Bakken, ça va si vite. Bon, c'est solide ce qu'on fait. C'est solide, c'est solide. Et ben écoute, total score, on est pour l'instant 364, 335. Ah bah ouais, 29 points d'avance, hein, Bakken qui vient d'en faire. Égalité de points avec Hartwig, la Basto, 35 points d'avance. 114 points d'avance sur Emilien Claude. Ah, ça va se jouer pour le top 3 avec Mikita Labasto, je pense. Hein. Aïe, 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 aïe. La Mastart, 0, moins 5, pas de précipitation. La Mastart. La Mastart. 0, moins 5. Ok, 0 moins 5. 0 moins 5. 0 moins 5.
pas de précipitation. Bon, là, ça aurait été parfait s'il y avait des précipitations, mais non. 0, moins 5. 0, moins 5, pas de précipitation, c'est ça. C'est des Sonic Rosengale. C'est des Sonic 3 Rosengale. Oui, c'est ça. Mastart, on part. Deuxième. Tout le monde part en même temps. 3 tours. 2 tirs. C'est parti. C'est parti, mon kiki! C'est parti, mon kiki! J'ai envie de dire aujourd'hui, il va falloir tout donner! Aujourd'hui, il va falloir s'envoyer! Aujourd'hui, il va pas falloir être petit! Parce qu'on va s'envoyer. Oh là là, il nous passe devant, hein. Ça coupe les routes, bien sûr! Oh là 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 là, ça va forcer! Là, ça va aller très vite, hein. Mais on le voit, ouais, sur les skis. Allez, 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 on va y aller. Et nous, on va pas descendre. Nous, on va pas descendre, tu vois, mais je. On les rattrape. Là, dans cette partie-là, si eux ont décidé de se mettre en position touchous, pas nous! Pas nous, pas nous, pas nous. Allez, 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 on est à moins 2 degrés. On est bien. Oh là 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 là, ça va se... Ça va se jouer des coudes aujourd'hui, hein. Ça va jouer des coudes. Allez, allez, ça a glissé pas mal, hein, sur Hartwig et Bacon devant. Mais oh là 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 là, qu'est-ce qu'on va vite sur les skis, hein. Qu'est-ce qu'on va vite sur les skis maintenant. Ça... Ah, oh, c'est chaud, la Mastart. C'est tellement chaud, la Mastart. Oh là 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 là. Allez, on va arriver sur le premier pas de tir. On est bien au niveau du fartage. On est quasiment au 5%. Hop, on s'y met. Hop là, on joue des coudes. On l'envoie dans la rambarde. Dans la rambarde. Et on va y aller sur le pas de tir. On va y arriver en deuxième position. Le premier tir couché. Faut pas faire d'erreur. Il va falloir tirer vite aujourd'hui si on veut faire une superbe place. Mais attention, on peut perdre gros sur cette main start aussi. On peut perdre très très gros. Putain, j'ai voulu tirer vite, j'ai tiré comme une merde. Ah ouais, j'ai voulu envoyer, on repart premier, mais on a 2 tours de pénalité. Et là, c'est terrible. Et là, c'est terrible parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'erreurs. Il n'y a pas eu beaucoup d'erreurs. Aïe, 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 dans cette Mastart, c'est terrible. On va ressortir très loin. Ah, on va perdre beaucoup de points au classement. Et Miki Talabasto, j'ai pas vu où il en était. Miki Talabasto, il a fait des erreurs ou pas? Ouais, non, j'ai pas vu où il était. Miki Talabasto, il est où? Il est où? Il est où? Il a... Oh, il s'est chié aussi! Il s'est chié aussi, on est 16ème! Oh là 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 là, c'est dur. Après, on peut remonter. On peut remonter. Oh là là, complètement raté. Oh, oh, j'ai voulu tirer vite. J'ai voulu tenter. Le panache aussi. Voilà, il est là aussi. Oui, on a envie de faire des choses. Allez, 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 allez. Nous bloque pas. Nous bloque pas, toi. Nous bloque pas. Nous bloque pas. Allez, allez, pousse. Mais c'est fou! C'est Stalder, comme par hasard, qui bloque pour Bakken et Hartwig. Ah, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Ah, je suis dégoûté. Ah, c'est pas grave, c'est pas fini, c'est pas fini. La Basto est derrière nous. Mais bon, Claude va remonter. Hein. Bon, tu marques au minimum 20 points. Donc après, il y a 20 points, il n'y aura pas beaucoup d'écart. Mais bon, ça fait quand même un petit peu mal. Et il faut mettre Mikita la Basto derrière. Mais le problème, c'est surtout Hartwig et Bakken qui vont maintenant s'envoler. S'envoler, nous mettre au moins 50, 60 points dans la vue. Ça, c'est le plus dur. Miki Talabasto qui doit être juste derrière nous. Ah, il est juste derrière nous à 4 secondes. Allez, Hartwig Bakken sur le pas de tir. On va pas relancer ici. Hartwig Bakken, Emilien Claude, c'est pas là. Ça y est, tout le monde arrive et c'est le tir debout. Oh, Bakken avait fait une erreur. Oh, c'est ça le pire. C'est de se dire que Bakken avait fait une erreur et qu'on aurait pu chercher une médaille. Bien sûr qu'on aurait pu aller chercher une médaille. On fera pas d'erreur, on fera pas d'erreur, on va remonter probablement au classement, mais pas beaucoup. Il va falloir tout donner dans ce dernier tour. Allez, 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 allez. Aïe, aïe, Hartwig seul. Regarde, on aurait pu être deuxième. On aurait pu être deuxième, je m'en veux. Je m'en veux énormément. Aïe, 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 on est douzième. On est douzième. Est-ce qu'on peut passer devant des gens au ski? C'est possible. C'est possible qu'on puisse passer devant des gens au ski. Hein. Là, c'est possible. Attention à pas nous bloquer. Attention à pas nous bloquer. Ici, on va envoyer la moitié du sprint. Même plus. Voilà. Allez, 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 allez. Faut remonter, faut remonter. J'y vais à balle, hein. J'y vais à balle. Chaque place, chaque point est important. Miki Talabasto, j'ai pas vu où il était, mais on ne regardera pas ça. Allez, au niveau du boost, on est bien. Il y a deux places à gagner. Il y a deux places à glaner, là. Ouais, 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 11e. Ok, on reprend, on reprend. Allez, on est bien sur les skis. Ah, ça va vite aussi devant, hein. Ça va vite, ça pousse.
Ça pousse sur les skis. Backhand à le small ski devant. Allez, 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 allez. Aïe, 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 aïe. 18ème. Terro, c'est pas là. Il est où Mikita Labasto? Il est un petit peu plus loin. Il est un petit peu plus loin. Allez, on va prendre le position touchous et on va arriver. Allez, 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 allez. Oui, oui, le finisher. Oui, le finisher. Oui, le finisher. Waouh, on va terminer 10ème. Ah, on termine 10ème. Ah, les deux erreurs qui coûtent si cher. Ah, on aurait pu être 2ème derrière Emilien Claude. En ski time, on a perdu que 2 secondes 6. Shooting time, ah bah tu parles 5 secondes 3. 5 secondes 3, mais pour en envoyer 2 dans le décor, ça vaut. Ça vaut c'est naze. C'est naze. Ah, c'est naze. Total score 366. Oh, on a pris un peu d'avance sur Mikita Labasto, mais on a maintenant allez, 58 points de retard sur Bakken et 60, quasiment allez, 59 sur Hartwig. Hein. Ça commence à 59, ça commence à faire quand même. Hein. 59 et 60. Non, mais non, 59 et 58, pardon. 59 et 58 points. Individuel Annecy demain, attention, ça peut être le moment où on récupère des points. Annecy individuel, et derrière on a quoi? Hop, on va regarder avec le schedule individuel sprint poursuite. Eh bien écoutez, on se donne rendez-vous demain à domicile pour l'individuel. On est solidement pour l'instant accroché à cette troisième place au général devant Mikita Labasto, Emilien Claude et Alexander Andersen. Je vous donne rendez-vous demain pour... Allez. Je le dis, on va essayer d'aller chercher une médaille. À domicile, bien sûr. C'est une médaille d'or, ça serait beau. À demain, 11h, pour la suite de l'aventure.